Bonsoir. L'Australie est touchée par des pluies torrentielles et des inondations. Après 3 jours de pluie intense, des milliers d'habitants ont été appelés à évacuer leur foyer. Les routes ont été bloquées. De nouvelles intempéries seront encore probablement d'actualité ces prochains jours. Revenons chez nous où un épisode orageux est attendu entre l'est du Massif central au sud du Lyonnais. Demain, de l'instabilité va encore se développer sur les Pyrénées alors qu'ailleurs les conditions seront anticycloniques. Quant aux températures, on attend 13 degrés du côté de Rennes, 15 à Paris et 26 degrés à Nice et en Corse. En matinée, vous vous réveillerez sous un ciel souvent bien dégagé avec des cumulus de beau temps qui vont se développer sur le quart nord-ouest, mais l'impression restera estivale. Sur les Alpes ainsi qu'au sud de la Garonne, nous retrouverons un voile de nuages avec des averses parfois orageuses, notamment au pied des Pyrénées. La tramontane va faiblir autour de la Méditerranée alors que le Mistral va se renforcer. L'après-midi, des nuages vont circuler dans le ciel, mais le temps restera très agréable. L'activité orageuse sera faible sur les reliefs des Pyrénées avec des averses, voire des orages. Sur le reste du pays, le temps sera calme avec des développements nuageux sans conséquences le long de la Manche. Les températures seront de saison demain après-midi sur la majeure partie du pays. Comptez 18 à Cherbourg, 24 à Paris, 25 à La Rochelle. On attend 27 à Lyon. La chaleur va persister dans le sud-est. Il fera 33 à Marseille. On attend des pointes à 38-39 dans l'arrière-pays varois. La suite, mercredi, un front peu actif viendra nous rendre visite mercredi près de la Manche, allant de la Bretagne à la Belgique. Plus on ira vers le sud-est, plus il fera beau et chaud. Jeudi, les conditions deviendront variables sur la plus grande partie du pays, avec davantage de nuages en journée et des averses sur le nord-est. Vous profiterez d'un beau soleil autour de la Méditerranée, mais Mistral et Tramontane souffleront encore fortement. Vendredi, les conditions anticycloniques vont se renforcer avec davantage de soleil. On devrait néanmoins avoir un peu plus de nuages au nord de la Seine. A signaler toujours beaucoup de vent autour de la Méditerranée. Ensuite, le temps restera très ensoleillé avec des températures qui resteront élevées pour la saison. Et vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6météo.fr. Ce soir, retrouvez Mariée au premier regard spécial Belgique. Très belle soirée à tous sur M6.